Voilà, chers amis, il est un peu plus de 14 heures. Nous accueillons cet après-midi. J'ai vu qu'il y avait eu moins d'hésitation entre côté grotte et côté Carmel. Hier, ça semblait poser quelques difficultés. On a mis des affiches pour que les lieux soient davantage repérables. Et je vois qu'il y a moins d'hésitation. Pour la conférence de cet après-midi, nous accueillons Monsieur Jean de Saint-Chéron, qui a fait une partie de ses études à Sciences Po Paris, qui travaille beaucoup avec la revue que vous connaissez certainement, la revue Magnificat, qui accompagne dans la prière bon nombre d'entre vous probablement. Et Monsieur de Saint-Chéron me disait qu'aujourd'hui, il y a 500 000, c'est ce que vous me disiez, hein, 500 000 exemplaires de Magnificat et d'abonnés qui sont publiés, dont 300 000 aux États-Unis. Ça reste un beau travail d'édition pour accompagner notre prière. Le thème de la conférence cet après-midi, la sainteté, un jeu d'enfant. Monsieur de Saint-Chéron est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Les bons chrétiens » paru chez Salvator, que vous pourrez, si vous le souhaitez, soit consulter, soit acheter, soit même faire dédicacer après la conférence à l'espace librairie que vous connaissez, je pense, pour y être déjà allé. Et si vous ne savez pas où c'est, eh bien vous demandez les informations qui vous seront données par les hôtesses. Voilà, Jean, merci beaucoup pour votre présence parmi nous. La conférence va se passer de la façon suivante, un enseignement et puis ensuite quelques questions, si le temps le permet. Et je me permets d'avance de vous demander, si vous avez des questions, de poser des questions de préférence sur le sujet, sur la conférence, et que les questions soient des questions, pas des interventions, des commentaires, des louanges ou des critiques, mais simplement des questions, d'accord ? Voilà. Merci pour votre attention, votre présence, et merci tout spécialement à notre conférencier de nous avoir rejoints. Merci beaucoup, mon frère. Est-ce que tout le monde m'entend bien, jusqu'au fond ? Oui, ça a l'air d'aller. Alors, la notion de sainteté de l'Église est ébranlée dans l'histoire par les crises successives qu'elle traverse, et notre époque n'est pas épargnée, vous avez dû le constater. Le dimanche à la messe, pourtant, nous continuons de proclamer « Je crois en l'Église sainte ». Mais qu'est-ce que la sainteté au fond ? Qu'est-ce qu'être saint ? Qu'est-ce que devenir saint ? Seul Dieu est saint, nous dit l'Écriture. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hommes et de femmes que l'Église canonise ? Pourquoi fête-t-on à la Toussaint les prétendues myriades d'inconnus qui sont saints dans le ciel ? Saint d'ailleurs signifie à part, seul. C'est réservé à Dieu, qui seul est éternel, parfaitement pur, tout-puissant, et surtout, c'est pour ça que nous l'aimons, parfaitement bon. C'est un état qui, bien sûr, ne semble pas nous correspondre. Qui prétendrait ici à ces qualifications ? Qui voudrait même y tendre ? Ne serait-ce pas de l'orgueil ? Prétendre être aussi bon que Dieu, être saint ? Pourtant, le Seigneur lui-même dit dans la Bible, nous dit dans la Bible, « Soyez saints, car moi aussi je suis saint. » C'est dans le Lévitique au chapitre 11. Verset 44, vous pouvez aller vérifier. Étonnante logique du Seigneur, mais le commandement est pourtant très clair. Soyez saints, car moi aussi je suis saint. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le Seigneur Jésus, quelques siècles plus tard, a voulu nous éclairer. Il est Dieu lui-même, mais il est aussi parfaitement homme. Et donc il se rend particulièrement bien compte de nos faiblesses, de nos incapacités, de nos limites temporelles, matérielles. Et que dit-il, ce Seigneur Jésus ? Dans le sermon sur la montagne, il va droit au but, lui aussi. Les choses sont claires lorsqu'il prononce ces paroles. « Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait » au chapitre 5 de Matthieu. Et qu'est-ce donc qu'être parfait ? Vous le savez comme moi, le Seigneur Jésus vient de parler de la loi portée à la perfection de l'amour. Vous
C'est-à-dire que non seulement il ne s'agit pas de ne pas commettre l'adultère, mais de ne pas désirer dans son cœur la jolie femme du voisin ou le beau brin ténébreux que l'on croise dans l'escalier. Il ne s'agit pas seulement de ne pas commettre de meurtre, mais de ne traiter personne de fou ou d'idiot. Et le Seigneur va jusqu'à nous dire qu'il faut aimer nos ennemis. Bon, devant ce programme, on se dit, le Seigneur certes veut que nous devenions parfaits comme le Seigneur est parfait, mais c'est impossible. Qui peut véritablement parvenir à aimer ses ennemis ou à ne pas tomber amoureux de la jolie prof de maths en terminale? Cette phrase du Seigneur, « Vous serez parfaits », est-ce donc une exigence, un ordre, un commandement, ou plutôt, puisque c'est un futur, une promesse? Si être saint, c'est être comme Dieu, qui lui seul est saint, alors il n'y a qu'en Dieu, c'est-à-dire au ciel, c'est-à-dire après la mort, que l'on peut être saint. C'est là que nous serons débarrassés de toutes nos lourdeurs terrestres, de notre appétence bizarre pour le péché. Nous y reviendrons à cette appétence étrange au cours de cette conférence. Appétence étrange parce que nous savons qu'il ne faut pas pécher, mais nous péchons quand même. Alors on peut se demander, avons-nous vraiment compris qu'il ne fallait pas pécher au fond? Tout ça est un peu compliqué. Mais osons le dire tout de suite, oui, on ne peut être saint qu'en Dieu, au ciel. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que l'Église ne canonise personne qui ne soit d'abord passé par la mort. On n'est jamais déclaré saint ici-bas. Suffit-il alors tout simplement, pour être saint, pour être parfait comme le Père est parfait, d'attendre son heure et de compter sur la miséricorde du Seigneur, qui sait bien que nous ne sommes pas doués pour la sainteté, et pour devenir saint sans grand effort, il suffit de se contenter de mourir un jour? C'est pas si simple. Le pape, dans l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate, parue en 2018, rappelle avec vigueur notre vocation à tous, la vocation de tout homme et de toute femme, sans exception, à devenir saint. Pourquoi? Parce que c'est le chemin du bonheur et que nous cherchons tous à être heureux. Tout homme recherche d'être heureux, disait Blaise Pascal. Et la première mission du chrétien, c'est en réalité de se convertir, de mener ce que nous appelons le combat spirituel, j'y reviendrai dans un instant, c'est-à-dire de choisir le bien et de renoncer au mal, ainsi que le Seigneur nous le demande, choisis la vie. Cela, bien sûr, va de pair avec ses autres commandements. Sois saint, sois parfait, ainsi tu vivras. Mais qu'est-ce que ça veut dire au fond se convertir, ainsi que nous le demande le pape? Qu'est-ce que c'est que cette vocation à la sainteté et que ce combat spirituel nécessaire pour y parvenir? Saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, qu'il est toujours excellent de citer quand on est invité à prononcer une conférence par des dominicains, dit que la perfection de la vie spirituelle s'évalue essentiellement selon la charité. La perfection de la vie spirituelle s'évalue essentiellement selon la charité. Nous y venons donc. Le combat spirituel, le combat de la sainteté, c'est le combat de l'amour. Le combat spirituel, c'est le combat, en effet, des forces de l'Esprit-Saint, qui est une force d'amour, puisque Dieu est amour, contre les forces soumises à ce que Saint Jean appelle la chair, qui est notre tendance à l'égoïsme, à la paresse, à l'orgueil. La chair, bien sûr, n'est pas mauvaise en elle-même, hein. Il faut toujours tenir bon et rappeler que nous ne sommes pas jansénistes, que le christianisme est la religion de l'incarnation, que le Verbe s'est fait chair, mais pour être sainte, la chair doit être traversée par cet esprit de Dieu qui est amour. Voilà ce qu'est la conversion. Nous devons apprendre à notre chair, à notre corps, à aimer, plutôt qu'à se replier sur la facilité de son égoïsme ou de sa paresse. Et pourquoi, donc, faudrait-il s'embêter à mener le combat de l'amour qui est fatigant? Il y a deux raisons principales, nous apprend la Bible. Premièrement, parce que nous sommes faits pour cela, nous ne l'avons pas choisi. Et deuxièmement, parce que c'est la seule manière de témoigner de Dieu. Alors premièrement, parce que même si nous ne l'avons pas choisi, nous sommes faits pour cela. Dieu est amour, on l'a dit, c'est Saint Jean lui-même qui nous le dit.
Et c'est lui qui nous a fait. Or, il a eu la bonne idée, mais exigeante, de nous faire à son image. Et c'est quand nous aimons, puisque Dieu est amour, que nous manifestons cette ressemblance avec Dieu. C'est quand nous aimons que nous ressemblons à Dieu. Dès le Deutéronome, Moïse donne le sens des commandements qu'il vient de proclamer dans le Décalogue, les 10 commandements, au peuple. Puisses-tu écouter, garder et pratiquer, non pas ce qui te donnera un bon point, mais ce qui te rendra heureux. Puisses-tu écouter, garder et pratiquer ce qui te rendra heureux. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes faits pour cela. Tout ce que nous demande Dieu, donc, c'est d'aimer. Il nous a fait pour être ordonnés à l'amour. L'ordre du cœur, je cite encore Blaise Pascal, l'ordre du cœur, c'est l'ordre de Dieu, en réalité. L'ordre du cœur, l'ordre de l'amour. Pas une seule ligne de la Bible, en réalité, ne nous demande autre chose. Si on trouve que la Bible est un livre très compliqué, très touffu, on ne sait pas toujours bien où on va, saint Augustin nous donne une clé de lecture. Il dit, c'est très simple, quand on lit la Bible, n'importe quel verset, du premier de la Genèse au dernier de l'Apocalypse, si on croit y trouver quelque chose qui va contre l'amour, c'est que nous interprétons mal. C'est la clé de lecture de toute l'Écriture sainte, l'amour. Et ça, le Seigneur le ramasse évidemment dans cette phrase extraordinaire au chapitre 15 de saint Jean. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Tout est là, tout est contenu dans cette phrase. Ce que je vous commande, c'est cela, de vous aimer. La petite Thérèse de Lisieux, dont je reparlerai, avait compris que tout se jouait là. Elle avait compris que là était la clé de la conversion et que là était la clé du bonheur. Nous sommes faits pour aimer. Nous sommes des machines à aimer, d'une certaine manière. Et lorsque nous n'aimons pas, la machine se détraque. C'est le péché. Saint Jean, dans sa première lettre, fait correspondre absolument l'amour du frère et l'amour de Dieu. C'est en aimant ses frères qu'on aime Dieu. Et saint Jean va même jusqu'à dire cette phrase terrible que vous connaissez, qui me fait toujours trembler. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, mais qui n'est pas capable d'aimer son frère qu'il voit, est un menteur. Parfois, les versets de la Bible peuvent nous sembler durs. D'autres nous semblent vengeurs, impitoyables, dans les psaumes par exemple, mais aussi certains passages de l'Évangile. Et ces versets nous font peur. Pourtant, je crois que lorsque nous décelons une expression de colère dans la Bible, ces paroles sont toujours l'expression d'une colère de Dieu, non pas contre nous, bien sûr, mais contre le péché. La colère de Dieu dans la Bible, c'est la colère contre l'égoïsme, contre l'avarice, contre l'idolâtrie, le mensonge ou l'hypocrisie. Jamais contre l'homme ou contre la femme. Jésus nous aime immensément, infiniment. Il aime les pécheurs par-dessus tout. Et bonne nouvelle, il ne s'est pas encore lassé de nous pardonner. La vengeance de Dieu dans la Bible, c'est donc la vengeance contre le péché qui a détraqué la création de Dieu et qui a éloigné l'homme du bonheur. Nous nous sommes donc empêtrés dans le péché, mais au fond, nous savons bien que c'est pour aimer que nous sommes faits. Nous le sentons, nous le savons. La fine pointe de notre conscience, si nous sommes parfaitement honnêtes, d'ailleurs, le sait bien. Et il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour le dire. Nous savons, au bout du compte, où est le bien, parce que c'est pour cela que nous sommes faits. Le grand philosophe juif, Franz Rosenzweig, disait « La Bible et le cœur disent la même chose ». C'est-à-dire qu'en réalité, la Bible n'est que le livre ouvert dans lequel nous pouvons retrouver ce que notre conscience n'a de cesse de nous murmurer à l'oreille et au cœur. Aime, tu aimeras. Donc, premier point, pourquoi faut-il mener le combat de l'amour ? Parce que nous sommes faits pour cela, nous sommes fabriqués comme ça. Mon deuxième point, parce que c'est la seule manière de témoigner de Dieu. Or, le Seigneur, vous le savez tous, à la fin de l'Évangile,
nous a envoyés en mission par toute la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Et quelques chapitres plus tôt, juste après la scène, avant de donner sa vie pour nous sur la croix, il avait donné ce conseil à ses disciples, conseil qui nous est adressé, bien sûr, vous l'aurez compris. « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront comme mes disciples. » Ce n'est pas parce que vous prononcerez d'excellentes catéchèses dans l'église Sainte-Bernadette côté grotte que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Là, je ne vous prouve absolument rien de l'éventuel amour que j'ai pour mes frères et sœurs. C'est évidemment, si ce n'est que vous pourriez dire que consacrer un petit peu de temps à un jeudi après-midi est un geste d'amour, mais je ne sais pas. Ça peut être aussi un geste d'orgueil. En réalité, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour des disciples. Une fois de plus, le message est clair. Au contraire, se proclamer chrétien, et il est terrible de se proclamer chrétien, de se dire chrétien, rien n'est plus beau mais rien n'est plus terrible car rien ne nous oblige davantage. Se proclamer chrétien et ne pas montrer le visage de l'amour est un contre-témoignage, est une défiguration de Dieu. Un chrétien qui se dit tel et qui n'aime pas défigure le Dieu dont il se réclame. Je voudrais vous raconter une petite anecdote de la vie du père Sérac, un père jésuite. Ce n'est pas une provocation, hein, mon frère, de citer un jésuite en plein pèlerinage du rosaire organisé par les dominicains. C'est simplement que je trouve cette anecdote très parlante. Le père Sérac a été jésuite, missionnaire en Inde pendant 70 ans. Il était né en Corrèze en 1914 et il a été toute sa vie au service des pauvres, des enfants du sud de l'Inde et des réfugiés du Cambodge. C'était un grand amoureux du Christ et véritablement, il l'a beaucoup écrit à la fin de sa vie dans ses carnets. Il dit qu'il a passé sa vie à chercher le visage de Dieu qui est le visage de l'amour. Mais le père Sérac, évidemment, avant d'en arriver là, a eu toute une vie et il raconte une anecdote de sa jeunesse, ses jeunes années, dans les années 30, lorsqu'il a fait son service militaire. Comme tout jeune français, il devait aller au régiment et il raconte qu'au tout début de son service militaire, il était dans son baraquement et l'adjudant rentre dans le baraquement le premier soir et dit, pardon du terme que je vais employer, mais c'est le terme que le père Sérac utilise lui-même, il faut quelqu'un pour nettoyer les chiottes. Et alors, silence de mort dans le baraquement, évidemment, les gens baissent la tête, mettent la main entre les genoux, personne n'a envie d'y aller. Et puis on attend une seconde, deux secondes, trois secondes, cinq. Et puis finalement, il y a ce jeune Pierre Sérac qui lève la main, qui se dit, bon, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle. Il lève la main, il dit, oh, je vais y aller. Il va nettoyer les latrines. Le lendemain, l'adjudant rentre à nouveau dans le baraquement le soir et dit, bon, quelqu'un aux chiottes. À nouveau silence. 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Et puis Pierre Sérac, l'enrôlé Pierre Sérac, lève la main une deuxième fois, dit « je veux bien y aller ». Bon, il y va. Troisième soir, même histoire. Il faut quelqu'un aux chiottes, personne. Le Pierre Sérac lève la main, enfin le futur Pierre Sérac, lève la main et s'y colle. Et de la même manière, ainsi de suite, pendant une semaine, tous les soirs, il allait laver les toilettes parce que personne ne voulait s'y coller à sa place. Et puis il dit qu'au bout du 8e ou du 9e jour, un soir, donc l'adjudant rentre, quelqu'un aux chiottes, le père Sérac qui était habitué lève la main, se dit bon bah de toute façon ça va être comme ça pendant un an, autant y aller tout de suite, il lève la main et là il dit je lève la main et un autre se lève et il dit non il en a trop fait, c'est mon tour maintenant. Et le père Sérac dit je n'ai plus jamais nettoyé les toilettes de l'année, tous les soirs il y a quelqu'un d'autre qui s'est levé à ma place. Et le père Sérac conclut cette anecdote en disant « Personne ne résiste à l'amour, les gens finissent par craquer. » C'est une petite histoire, toute simple, mais saisissante. Les saints qui sont sur les vitraux des églises nous impressionnent, nous éblouissent. Mais aussi, ils nous font peur.
Et ils sont capables, peut-être, parce que nous ne nous sentons pas dignes d'eux, de nous éloigner de cette aventure de la sainteté qu'il nous faut courir. Car la sainteté est une aventure, elle est même la seule aventure, disait Bernanos. Mais cette aventure, voyez le père Sérac au service militaire, il nous est demandé de la vivre concrètement, jour après jour, à notre place. Et le génie de sainte Thérèse de Lisieux, dont je voudrais parler particulièrement, parce que vous le savez peut-être, mais nous fêterons ses 150 ans, les 150 ans de sa naissance, le 2 janvier prochain, le 2 janvier 2023. Le génie de sainte Thérèse de Lisieux, ça aura été de nous faire comprendre que l'aventure de la sainteté se joue concrètement dans les petites choses, jour après jour, à notre place. Et je crois que sainte Thérèse, on peut le dire sans embâge, à la fois nous renvoie l'image d'une toute petite fille, avec son bouquet de roses, avec son sourire un peu grave, mais qu'elle était en réalité une grande guerrière. Parce qu'il y a bien un paradoxe. La sainteté est un combat, le pape le répète sans cesse. Et si Thérèse nous a laissé l'image d'une jeune fille discrète et humble, comme Bernadette, d'ailleurs sainte Bernadette ici, une petite fille discrète et humble qui ne fait que son devoir, je crois qu'il me semble bon d'en parler comme d'une guerrière, parce que l'amour est une guerre. Parce que lever la main tous les soirs au service militaire pendant une semaine pour aller nettoyer les toilettes, c'est une guerre contre soi-même. Dans l'Imitation de Jésus-Christ, texte mythique de spiritualité du XVe siècle, qui était l'un des livres de chevet de la petite Thérèse, l'auteur écrit « Nul n'a plus rude combat à mener que celui qui travaille à se vaincre ». La guerre de l'amour dans les petites choses, donc, est d'abord un combat contre soi-même. Dans cet acte-là, maintenant, tout de suite, j'en suis capable, je vais aimer. Et c'est cela qui produit de l'extraordinaire. Et c'est cela qui fait que nous vénérons sainte Thérèse de Lisieux 150 ans plus tard. Parce qu'au Carmel, elle a aimé les sœurs qui ne lui revenaient pas. Vous connaissez peut-être l'anecdote extraordinaire du bruit de bouche à l'oraison. Sainte Thérèse était placée au Carmel dans la chapelle pour l'oraison, à côté d'une vieille sœur qui faisait un bruit de bouche insupportable avec son dentier ou avec ses dents. Elle grinçait des dents et elle faisait un petit bruit humide. Et alors sainte Thérèse explique que pendant des heures et des heures d'oraison, tous les matins et tous les soirs, elle était incapable de se concentrer parce qu'elle trouvait ce bruit absolument intenable et qu'elle n'avait qu'une idée en tête, c'était de faire taire cette vieille sœur à côté d'elle qui l'empêchait de prier. Et donc elle dit que ces oraisons étaient devenues des oraisons de combat, littéralement, où elle essayait d'oublier ce petit bruit qui la déconcentrait et qui l'empêchait de méditer l'Évangile, et elle finissait en sueur et folle de rage. Donc c'est des oraisons qui évidemment ne touchaient pas leur but, parce que l'oraison est censée nous ramener en Dieu, dans sa paix et dans sa charité, et là elle était non seulement pas dans la paix, mais en plus dans la colère. Et elle dit que le déclic s'est fait par l'amour, par ce combat de l'amour qu'elle a décidé de mener vis-à-vis de ce petit bruit de bouche. Elle s'est dit, plutôt que d'essayer d'oublier ce bruit de bouche, je vais essayer de l'aimer. Je ne peux de toute façon pas faire taire cette sœur, ça serait humiliant pour elle de lui dire une phrase désagréable. Et alors elle se dit, je vais écouter attentivement ce petit bruit de bouche de ma sœur et l'aimer. Et elle dit qu'à la fin, ce petit bruit de bouche était devenu un ravissant concert qu'elle offrait au Seigneur. Vous voyez, c'est tout simple. Ça peut même, vu de l'extérieur, sembler ridicule, cette histoire. En réalité, c'est l'amour qui transfigure nos vies et qui donne à nos vies un visage véritablement surnaturel. Un petit bruit de bouche insupportable devient un ravissant concert. Je reste avec la petite Thérèse une seconde. On sait aussi qu'il y avait notamment au Carmel une sœur, qu'elle n'a jamais nommée évidemment dans ses manuscrits, mais une sœur qu'elle ne pouvait pas sentir. Tout l'énervait chez elle. Vous voyez, c'est rassurant de savoir que sainte Thérèse de Lisieux pouvait être exaspérée par d'autres. Ça nous rassure beaucoup. Et alors, elle n'aimait pas le ton de sa voix, elle n'aimait pas son caractère, elle n'aimait pas sa démarche, rien. Insupportable. Et elle a décidé à un moment de passer toutes ses récréations avec elle, en lui faisant des sourires, en l'écoutant.
Et à la fin de sa vie, cette sœur a dit, je n'ai jamais compris pourquoi j'étais sa préférée. Voilà. Vous voyez, on voit bien que c'est un combat. Moi, je me sens totalement incapable de mener ce combat. Si je tiens 3 minutes dans un couloir au bureau avec quelqu'un que j'aime pas, c'est déjà extraordinaire. Je remercie le Seigneur d'avoir tenu 3 minutes. Mais elle, c'est à toutes les récréations, toute l'année. Vous voyez, c'est à la fois minuscule, c'est l'amour qui lui est demandé de donner là où elle est, ce jour-là, et ça transfigure sa vie, ça la rend heureuse, parce que Thérèse révèle qu'en réalité, elle a compris que l'accomplissement de son bonheur se jouait dans le fait d'oublier, de s'oublier elle-même pour se donner aux autres, et puis ça rend les autres heureux. Ça a rendu cette sœur heureuse, qui s'est sentie très aimée. On pourrait se dire, est-ce que c'est de l'hypocrisie ? Que nenni ! Parce que l'amour n'est pas un sentiment. Aimer, c'est pas de se dire « j'ai le cœur qui bat quand je croise cette sœur parce que je la trouve merveilleuse ». Aimer, ce sont des actes. C'est les actes d'amour qui nous sont demandés. Et c'est ce combat de l'amour, le combat des actes de l'amour, qui est le combat de la sainteté, combat qui n'est jamais fini. On ne peut jamais se dire « ça y est, là, c'est bon, je crois que j'aime suffisamment ». Je suis bien comme il faut, je fais ma petite béa tous les matins et j'attends tranquillement d'aller au ciel. Ce qu'il y a de génial dans le combat de la sainteté, c'est qu'on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Saint Vandrille, au début du Moyen-Âge, qui était un fondateur de monastère en Normandie, dit ce paradoxe, parce qu'on pourrait penser que l'homme humble, c'est celui qui dit « je suis nul, de toute façon j'arriverai jamais à aimer ». Saint Vandrille donne une définition tout autre de l'humilité, il dit « l'homme vraiment humble s'efforce de monter toujours plus haut ». Voyez, l'homme vraiment humble, c'est celui qui se dit « demain, je vais pouvoir aimer mieux qu'aujourd'hui ». Et cet après-midi, je vais pouvoir aimer mieux que ce matin. On sait aussi que saint François d'Assise, à la fin de sa vie, disait à ses frères en se levant, alors qu'il y avait déjà des milliers de frères de par le monde, qu'il avait brûlé sa vie pour l'amour du Christ et des pauvres, il disait « maintenant mes frères, commençons, nous n'avons encore rien fait. » Le saint, c'est donc celui qui est en marche, qui sait qu'effectivement, Dieu seul est saint et que l'amour est trop élevé pour lui, mais qui ne désespère pas. Pourquoi donc avoir appelé cette conférence un jeu d'enfant ? Parce que tout ce que je viens de dire semble assez difficile à mettre en œuvre. Est-ce que c'est par pure provocation, pour être sûr que vous viendriez et que je ne parlerai pas devant une salle vide ? Est-ce que c'est trop facile d'avoir dit la sainteté un jeu d'enfant ? En fait, c'est évidemment à la fois légèrement ironique, et puis en même temps, c'est parce que je voulais essayer de livrer avec, encore une fois, Sainte Thérèse, entre autres saints et saintes, la méthode qui nous est donnée par les grands saints pour aimer. Car il s'agit d'aimer. Saint Jean de la Croix nous le dit d'ailleurs, le soir, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Et c'est bien ce qu'on trouve dans l'Évangile, hein. Marie-Madeleine, pourquoi elle est au-dessus du pharisien d'une certaine manière, même s'il ne faut pas faire de comparaison, mais enfin bon, en tout cas l'Évangile nous la montre quand même plus proche du Seigneur que le pharisien qui la critique. Le Seigneur nous dit c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Et puis dans le chapitre 25 de Matthieu, si on s'en souvient, on sait bien qu'aussi au jugement dernier, c'est sur l'amour des pauvres et des petits que le Seigneur nous reconnaît comme les siens. C'est sur les actes d'amour que nous serons jugés. Et saint Augustin a une formule lapidaire, extraordinaire, en parlant du dernier jour, parce qu'on se représente toujours le dernier jour avec une balance qui peut faire peur, le bien. Il dit, saint Augustin, il dit, ton poids, c'est ton amour. Plus tu as aimé, plus tu corresponds à cette vocation que Dieu avait mise dans ton cœur pour lui ressembler. C'est donc pas tant le nombre de chapelets que nous aurons récités, pardon encore une fois pour la provocation en plein pèlerinage du rosaire, et c'est pas tant sur le nombre de chapelets que nous aurons récités que nous serons jugés, mais sur l'amour que nous aurons déployé ici-bas. Évidemment, je crois que le chapelet d'une vieille dame ou d'un jeune homme entre deux réunions professionnelles peuvent absolument être de grands actes d'amour. Et bien sûr, il y a le rôle de la prière dans la vie chrétienne. Et bien sûr, le dialogue avec le Seigneur, sans qui nous ne pouvons rien faire, est central. Et que dire de l'importance des sacrements ? Il faut évidemment aller s'abreuver à la source de l'amour pour y puiser la force de mener ce combat de la sainteté.
Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, il le dit lui-même. Mais il ne faut jamais oublier non plus, et encore une fois, je vais citer Bernanos, qui a une formule très forte, qu'aucun rite ne dispense d'aimer. Le programme est donc simple. Que dois-je faire pour être saint ? Aimer à chaque instant de ma vie. C'est donc le programme qui est un jeu d'enfant. La sainteté, un jeu d'enfant. Qu'est-ce que c'est la sainteté ? C'est aimer chaque jour de ma vie. C'est ce que la petite Thérèse nous a montré en nous disant, en nous mettant à sa suite, en ouvrant cette technique, comme elle disait, de la petite voix. Mais est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est si facile que ça à mettre en œuvre ? Le programme est simple, ok, il s'agit d'aimer, mais est-ce que nous en sommes capables ? Non, ça n'est pas facile. C'est évidemment difficile. Ce qu'on appelle, ce que saint Paul appelle le vieil homme, si vous voyez, c'est l'homme qui est soumis au pouvoir du péché, c'est l'homme qui est rongé par son propre égoïsme, c'est celui qui, comme dit saint Paul, ne fait pas le bien qu'il voudrait faire, mais fait le mal qu'il ne voudrait pas faire. Ça, c'est quand même extraordinaire. Nous ne faisons pas ce que nous voudrions faire. D'où vient ce prodige ? Bah, précisément parce qu'il est plus difficile de faire le bien que de faire le mal. D'ailleurs, moi, je ne suis pas prêtre, mais pour m'être souvent entretenu du sujet du péché avec des prêtres, et pour l'avoir lu aussi dans des livres, les prêtres qui sont rompus à l'exercice de la confession après des années disent toujours, enfin souvent, en tout cas je l'ai entendu, il n'y a rien de plus banal que le péché. Quand on a confessé quelques années, on passe ensuite 30 ans ou 40 ans à réentendre les mêmes péchés en boucle. Nous faisons tous les mêmes péchés, toujours. Il n'y a rien d'original chez les pécheurs. Mais la sainteté, au contraire, rien n'est plus original. Le visage de saint François d'Assise, le visage du curé d'Ars, le visage de Jeanne d'Arc, le visage de sainte Thérèse d'Avila, le visage des époux Martin, sont des vies, chacune unique, très singulière. Parce que le Seigneur ne nous demande pas d'appliquer exactement le même programme de l'amour, comme s'il y avait une liste de choses à bien faire et à cocher, mais il nous demande de nous réaliser nous-mêmes, là où nous sommes, selon ce que nous sommes, avec notre histoire, avec les personnes qu'il nous donne de rencontrer, avec les talents qu'il nous a donnés aussi. Saint Paul le dit très très bien, nous ne sommes pas tous faits pour prêcher comme les frères dominicains, mais nous ne sommes pas tous faits non plus peut-être pour faire la cuisine, je ne sais pas. Nous ne sommes pas tous faits pour être comptables et nous ne sommes pas tous faits pour être professeurs de philosophie. Le Seigneur nous a mis en nous des choses qu'il fallait faire fructifier parce que nous sommes tous membres d'un seul corps et que tous les membres sont nécessaires. C'est pour ça qu'il est bon que nous soyons divers et c'est pour ça qu'il est bon qu'il y ait des hommes et des femmes. Et c'est pour ça qu'il est bon qu'il y ait différents caractères et différents charismes. Et que tout le monde ne grandisse pas dans le même milieu, au même endroit et à la même époque. Donc le vieil homme, lui, résiste et voudrait faire de nous tous des clones dans le péché, des égoïstes, des paresseux, des orgueilleux. Et il est difficile de se convertir, il est difficile de s'arracher à ce vieil homme. Nous l'éprouvons tous. On peut d'ailleurs se rassurer, hein, des géants comme saint Augustin ou saint Charles de Foucault, l'ont éprouvé avant nous. Ils ont été empêtrés dans leur péché. Saint Augustin, il a ces paroles extraordinaires quand il parle de sa conversion à plus de 30 ans. Il a rencontré l'amour fou de Dieu, ça l'a bouleversé. Il dit « Tard, je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle. Tard, je t'ai aimé, trop tard. Je te cherchais en dehors, dans les créatures après lesquelles je courais, en dehors de moi-même, mais c'était au-dedans de moi que tu étais. » Voilà, je te cherchais au mauvais endroit. Et il a cette parole extraordinaire. Il se convertit, alors il essaye de faire le bien, il essaye de réformer sa vie. Il était notamment très très orgueilleux, il parlait très bien, c'était un rhéteur très apprécié. Et puis il avait beaucoup de succès auprès des femmes. Et puis il avait notamment une maîtresse avec laquelle il se sentait très bien dans son nid douillet. Et alors il essaye d'ordonner sa vie, mais c'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est progressif, la conversion. Ne croyons pas que nous allons devenir Mère Teresa sur un coup de tête ou avec un bon sentiment du jour au lendemain. Ça prend des années de devenir Mère Teresa ou Charles de Foucault ou saint Augustin. Ça prend toute une vie. Et alors saint Augustin,
Il dit, quand il essaye de se convertir, que son péché, ses tentations, il dit « mes vieilles amies », il parle en parlant de ses vieilles tentations. Il dit « elles me retenaient par mon manteau de chair » en me murmurant « quoi, tu nous congédies, tu vas nous quitter, tu étais si bien avec nous voilà. ». Évidemment que ce manteau de chair, ce manteau du vieil homme, résiste, parce qu'il y a un confort dans le péché. Et si donc nous disons aujourd'hui « je suis loin d'être saint » et la sainteté est loin d'être un jeu d'enfant, c'est d'abord bon signe. La petite Thérèse elle-même disait, cette phrase extraordinaire, a déjà 23 ans, elle était au Carmel depuis 8 ans, elle était à un an de sa mort aussi, comme vous savez, elle est morte à 24 ans, elle disait « plus on avance dans le chemin de la perfection, plus on se croit éloigné du terme ». Donc si vous vous sentez très très loin d'être saint, c'est peut-être très très bon signe. Plus on s'approche de Dieu, plus on découvre l'infinité de son amour et de sa beauté, et le fait que nous sommes tellement loin de cet amour parfait. On raconte d'ailleurs que saint Dominique, sur son lit de mort, exhortait ses frères à persévérer dans la sainteté. Ça aurait été, selon l'un des récits de sa vie du Moyen-Âge, l'une de ses dernières phrases à ses disciples les plus proches. Persévérer dans la sainteté. Il n'a pas dit « restez bien saints, vous êtes impeccables, les gars ». Pas du tout. Il a dit « persévérer, continuer à combattre, ça n'est jamais acquis ». Pourquoi alors parler d'un jeu d'enfant ? J'ai dit un jeu d'enfant parce que le programme est simple, mais la mise en œuvre. Ici encore, je m'appuie sur la petite Thérèse qui nous donne une bonne clé. Pourquoi la sainteté serait-elle un jeu d'enfant ? Parce qu'il s'agit de redevenir un enfant. Le Seigneur a dit lui-même que le royaume, que son royaume, était aux petits-enfants et à ceux qui leur ressemblent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour être saint, il faut être un petit-enfant. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, c'est la voie de l'humilité. Être un petit-enfant, c'est reconnaître qu'on est petit. Et que donc, on n'est pas tout puissant et qu'on n'est pas capable d'arriver au but tout seul. Qu'on a besoin de la force de Dieu, de l'amour de Dieu, et que c'est cet amour qui nous transforme et qui fait de nous des saints. Et que c'est cet amour-là qui a permis à la petite Thérèse de transformer le bruit de bouche insupportable en concert, et que c'est cet amour-là qui a permis au jeune Pierre Sérac de lever la main pour aller nettoyer les toilettes. Ce n'est pas une force humaine qui joue là. C'est l'Esprit Saint qui a traversé la chair et c'est cet esprit d'humilité qui nous fait dire « Oui Seigneur, je suis un tout petit enfant, viens me donner ta force pour que je sois saint comme tu me le demandes. Si tu ne me donnes pas ta force, je ne serai pas saint, je ne peux pas. Voilà. Viens Seigneur, faire de moi ton saint. Voilà. Viens vivre en moi. » Saint Paul encore, hein, ce n'est plus moi qui vit, c'est le Christ qui vit en moi. Premièrement, qu'est-ce que c'est devenir un enfant ? C'est se faire petit, reconnaître qu'on est petit. Parce que se faire petit, nous sommes déjà tous tout petits. Mais reconnaître qu'on est petit, il y a un chemin, on a besoin d'un autre. Et puis c'est la voie de la confiance. Parce que l'enfant, c'est celui qui sait qu'il ne peut pas se loger ni se nourrir tout seul. Il a besoin de ses parents, ou en tout cas d'adultes, pour se loger et se nourrir. Donc l'humilité d'abord, reconnaître qu'on ne peut pas tout seul, et puis la confiance dans le fait qu'il y a un autre plus grand qui va nous donner de quoi vivre. Et donc la confiance devant Dieu, ne jamais désespérer. Et la petite Thérèse disait, vous voyez, c'est aussi un bon résumé de cette conférence, un bon résumé du chemin vers l'amour, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Si on se dit de toute façon c'est foutu, je ne serai jamais saint, je jette l'éponge, et puis Dieu, il s'intéresse à d'autres problèmes, il y a des gens qui vont très très mal à l'autre bout du monde, moi finalement j'ai quand même plutôt de la chance, même si j'ai mes petits tracas, mais voilà. Finalement, le bon Dieu, moi j'arrive pas à changer, il ne s'intéresse pas à moi. Là, c'est une attitude qui sans doute nous éloigne voilà, de cette voie de l'amour qui doit nous mener à la sainteté. Non, le Seigneur ne se désintéresse jamais de moi. Jamais. Et ce serait un faux orgueil que de croire que le Seigneur s'intéresse à soi. Voyez le fils prodigue par excellence dans l'Évangile, quand il revient au Père,
qu'est-ce qu'il a retrouvé en fait comme chemin? Il n'est pas devenu Saint François d'Assise du jour au lendemain, le fils prodigue, pas du tout. Hein. Il a pris ce chemin de l'humilité et de la confiance. C'est chez mon Père que je serai bien. J'y arrive pas tout seul. Mais mon Père, lui, il m'accueillera. Oui, il a confiance. Et après avoir fait n'importe quoi, après avoir brûlé son bien avec des prostituées, comme on lit dans l'Évangile, il a pris le chemin de son Père, il est revenu chez son Père, il est redevenu un enfant, en fait. Ce grand gaillard, il est redevenu un enfant. Et en fait, c'est l'émerveillement devant l'amour de Dieu, l'amour du Père, qui nous met en marche. Ce n'est pas la peur d'être puni, ce n'est pas la peur du châtiment qui va nous convertir. C'est l'émerveillement devant cet amour de Dieu qui nous accueille et qui nous dit « Viens, tu seras heureux à la maison, tu seras heureux si tu aimes, parce que c'est pour cela que tu es fait. » En guise de conclusion, puisque je vois qu'il me reste exactement 2 minutes, je voudrais parler de ceux qui ne sont pas à Lourdes cet après-midi, et de ceux qui ne vont pas à l'église le dimanche, de l'immense majorité de nos contemporains qui ne connaissent plus Dieu, qui ne connaissent plus Jésus-Christ, et qui donc, c'est notre foi, ne savent plus bien ce qu'est l'amour, puisque Dieu est amour. Alors l'amour est pris pour un sentiment, pour quelque chose qui nous traverse, qui parfois retombe. « Oh ben, ils sont séparés parce qu'ils ne s'aimaient plus. » Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? Et je crois que c'est ça aujourd'hui que le christianisme d'urgence doit dire aux hommes et aux femmes. Je crois, parce que bon, c'est un sujet qui fait débat, ne me lancez pas de tomates tout de suite, mais je pense qu'il y a un risque, on parle beaucoup de bioéthique hein, ces dernières années, il y a un risque à croire qu'on va convertir les hommes et les femmes de notre temps en leur parlant d'abord de morale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de loi naturelle dont seuls les chrétiens parlent? Ils n'ont pas l'air convaincus hein, quand on leur parle de la loi naturelle, les hommes et les femmes du monde. C'est l'amour qui attire. Et je crois qu'on ne convertit pas par les leçons de morale, même si bien sûr il est toujours bon d'avoir le courage de dire la vérité. Mais c'est par l'amour, c'est en aimant que nous attirerons à Dieu. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples, a dit le Seigneur. Les hommes et les femmes de notre temps, on ne peut pas leur en vouloir s'ils ne connaissent pas Dieu d'une certaine manière. Alors, il y a sans doute toujours une ignorance coupable. Mais aussi, tout de même, ils sont tombés dans les pièges du matérialisme, de l'irréalisme, des idéologies que le monde tend, des plaisirs éphémères, les logiques égoïstes que tout le monde leur vante. Moi, par exemple, je vois bien que j'ai eu de la chance d'avoir des parents chrétiens. Est-ce que je serais chrétien aujourd'hui si je n'avais pas eu l'exemple de mes parents? Je ne sais pas. Et évidemment, on ne raisonne pas avec des si, mais en tout cas je vois bien qu'il faut rendre grâce parce que nous sommes chrétiens. Et si nous voulons attirer les autres, ça n'est pas en leur faisant la leçon ni la morale, mais c'est en les aimant et en leur révélant le chemin du bonheur. Je vais revenir au Père Sérac pour conclure, dont je parlais au tout début. Vous voyez, aux jeunes et à la fin, 70 ans après son service militaire, il était dans les faubourgs de Madras, où il s'occupait des enfants orphelins et des lépreux. Et il disait aux jeunes occidentaux, qui avaient fait des très bonnes études dans les lycées jésuites français, qui avaient 18, 19, 20 ans, et qui lui demandaient conseil pour construire leur vie. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas bien où aller, etc. Le Père Sérac, il leur proposait, sans hésiter, d'aller passer quelque temps dans un village d'orphelins, ou de misérables du sud de l'Inde. Parce qu'il disait, et là je le cite, qu'ils y trouveraient ce que nous cherchons tous, l'amour qui transfigure nos vies et qui triomphe de la mort. Tout mon exercice est d'aimer, disait Saint Jean de la Croix, je l'ai dit tout à l'heure, tout mon exercice est d'aimer. Il y a donc une urgente nécessité pour notre temps à retrouver le réalisme chrétien qui, bien conscient des faiblesses de l'homme, hein, du péché, le chrétien, ce n'est pas celui qui croit qu'il est pur, hein, c'est celui qui sait qu'il est pécheur. C'est ça le chrétien. Il sait qu'il est pécheur et il sait que Jésus l'aime et le sauve. Miracle. Il sait qu'il n'est pas
coincé dans son péché. Il y a une voie de sortie. Il y a quelque chose après la mort. Après la misère de notre péché, après la mort de notre péché, il y a le matin de Pâques, qui est le matin de l'amour. Et donc nous connaissons, parce que nous en avons tous fait l'expérience, et nous en faisons évidemment par excellence l'expérience dans un lieu comme Lourdes, qui est un lieu de l'amour sous le regard de la Vierge, et d'attention aux autres, aux petits, aux faibles, aux souffrants. Nous savons qu'il y a une nécessité aujourd'hui à montrer aux hommes et aux femmes le lieu de leur bonheur, qui est l'amour. Alors, vraiment, à tous qui êtes mes très chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je crois qu'en jouant dès aujourd'hui le jeu d'enfant de la sainteté, nous pouvons aller dire l'amour de Dieu au monde. Merci, cher monsieur, pour ces paroles encourageantes et stimulantes qui vont peut-être aussi stimuler tel ou tel à vous poser sa question. Qui voudrait poser une question? D'abord la dame. On va faire comme dans l'ancien temps, vous savez, il y avait les dames avant. Voilà. Vous voulez parler de la bouche de Carmen? Comment? Pardon? Vous avez parlé de la bouche de Carmen. Le Carmel? Oui. Oui? Oui, à propos de l'évangile et l'amour, pourquoi vous en avez parlé? Pourquoi j'ai parlé de l'évangile de l'amour? Oui, de Carmen. Ah, le Carmel. Oui. Parce que, oui, c'est vrai que j'ai peut-être pas pris le temps de la présenter. Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse, dont on fête les 150 ans là, donc dans quelques mois, elle était carmélite. Donc c'est au Carmel, dans son Carmel, où elle a vécu 9 ans, qu'elle a développé cette technique de l'amour, de la petite voix, et qu'elle a découvert qu'elle n'avait pas d'autre vocation que d'aimer. Et donc elle nous a donné cet exemple pour que nous puissions faire un petit peu comme elle, le même chemin qu'elle. Oui, la conversion, voilà. C'est le chemin de la conversion, exactement, et c'est le chemin de l'évangile. Tout à fait. Voilà. Vous avez dit, saint, soyez saint comme Dieu est saint, soyez parfait comme votre Père du ciel est parfait. Est-ce que vous pouvez préciser, expliciter la corrélation entre sainteté et perfection? Et quand je dis perfection, je pense aux vertus, voyez. Oui, oui, absolument. Sainteté, vertu. Oui, oui. Alors, Saint Thomas d'Aquin a consacré un excellent, une excellente question de la Somme à ce point-là, qui est complexe. Mais effectivement, en faisant l'étymologie du mot sainteté, du mot saint, ça se rapporte à Dieu parce que ça veut dire, j'ai pris un des sens qui était à part, seul, pour montrer qu'il est intouchable d'une certaine manière. Mais il y a aussi la pureté, en fait. La sainteté de Dieu, c'est aussi sa pureté. Et la pureté, c'est la perfection. C'est-à-dire, là, c'est un quasi-synonyme dans l'ordre des vertus, c'est-à-dire c'est ce à quoi rien ne manque. Rien ne manque, tout est là. Et finalement, le saint en Dieu, c'est celui auquel rien ne manque. Le péché, c'est ce qui frappe un manque. C'est ce qui abîme la perfection pour laquelle nous sommes faits et qui est la perfection originelle, en fait. L'homme dans le paradis, rien ne lui manquait. Alors le paradoxe, c'est que malgré tout, il a péché. Mais enfin bon, ça, on ne va pas y revenir. C'est l'orgueil terrible et puis la tentation du diable. Hein. On n'est pas seul coupable quand même, il faut le rappeler. Et la tentation du diable qui a abîmé cette pureté originelle que Dieu nous avait donnée. Et donc, merci pour votre question, parce qu'effectivement, le fait de parler de vertu et la perfection des vertus... manifeste bien le fait que la sainteté ici-bas est un chemin. Parce qu'il y a un chemin à faire pour se perfectionner dans la vertu. Et ça, c'est la morale classique qui nous l'apprend. Hein. Aristote lui-même est d'accord avec ça. Hein.
La vertu, ça ne s'acquiert pas du jour au lendemain, ça ne tombe pas du ciel. C'est un exercice quotidien et toujours refait qui permet sans doute à la petite Thérèse, au bout de 9 ans de Carmel, plus facilement de discuter avec les ennuyeuses avec un sourire que pendant les premières années. Parce qu'il y a un entraînement, un aguerrissement. C'est pour ça aussi qu'on peut parler de combat. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci. Oui, j'ai beaucoup apprécié votre conférence, mais je sais qu'il ne faut pas évoquer cette question. Ma question est un petit peu délicate. Vous faites reposer votre propos sur l'amour. C'est là-dessus que vous finissez, c'est là-dessus que vous commencez d'ailleurs aussi. Mais êtes-vous bien sûr, et je ne fais qu'exprimer un de mes doutes, que nous soyons tous d'accord sur ce que c'est que l'amour? Sommes-nous bien sûrs que l'amour ne comporte pas ou ne passe pas par des péchés, par des fautes? Et voilà. Voilà, simplement, entre les modes glamour d'amour qu'on entend, qui inondent les vitrines avec des cœurs, et l'amour dont vous parlez, il y a peut-être, oui. J'espère, une différence. Alors oui, j'ai essayé de le dire rapidement dans des demi-phrases, mais je n'avais pas le temps de me lancer dans un grand exposé en disant que peut-être aussi le monde ne sait plus ce qu'est l'amour. On réduit souvent l'amour à un sentiment, au sentiment amoureux. On confond le sentiment amoureux et l'amour, par exemple. Le pape Benoît XVI a répondu de manière très brillante, comme toujours, et puis très accessible, je trouve, à votre question, dans son encyclique « Dieu est amour », « Deus Caritas Est », où tout le début d'encyclique consiste en une définition de l'amour. Et alors, ce que je trouve très beau, c'est qu'il ne faut pas exclure le sentiment amoureux. Hein. C'est très, très beau, le sentiment amoureux. C'est un cadeau que Dieu nous fait pour nous encourager à aimer. Et puis l'attrait amoureux, le désir pour quelqu'un, ou même le désir d'amitié, hein. Ce n'est pas forcément le sentiment amoureux avec sa connotation sexuelle, comme on peut l'entendre au premier abord, mais tout attrait pour quelqu'un est aussi un don de Dieu et est beau, donc il ne faut pas en avoir honte, bien sûr, mais c'est incomplet, insuffisant, parce que l'amour ne se réalise vraiment que dans les actes. Vous voyez, c'est la phrase de Saint Jean dont je parlais tout à l'heure. Là, celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, qui dit oui, j'aime Dieu, mais qui n'est pas capable d'aimer son frère qu'il voit, c'est un menteur. Bon, la phrase est violente, bon, n'ayons pas honte de le dire, mais elle est sans doute très très vraie aussi. Et donc, l'amour est une réalité qui nous paraît complexe, qui en fait est très simple, parce que Dieu est simple, c'est nous qui sommes compliqués. Hein. Et c'est nous qui nous compliquons la vie, alors que Dieu est très simple. Il est pur, il est un, il est amour, il n'est pas compliqué du tout. Mais donc oui, effectivement, on peut passer ici, on peut se faire un peu des nœuds au cerveau ici-bas pour essayer de savoir si on a bien compris ce que c'était que l'amour. En tout cas, je pense que quand même, si on prie et qu'on écoute bien sa conscience, on est capable, hein, jour après jour et heure après heure, devant les toutes petites choses simples, de voir où est l'amour. Et où se joue l'amour. Enfin, quand on a un ami un peu dépressif et ennuyeux qui nous appelle pour la quatrième fois sur notre téléphone portable, par moment, dès la quatrième fois de la journée ou quatrième fois de l'heure, par moment, on a une bonne raison de ne pas répondre. Hein. On est au travail ou autre chose. Mais par moment, on a une mauvaise raison. En fait, ça, on le sait bien, par exemple. Vous voyez, je prends un exemple qui me touche, parce que moi, ça m'arrive souvent. Donc, et je vois bien que parfois je réponds pas parce que juste j'ai plus la force d'aimer, j'ai plus le temps d'aimer. Je me dis je le rappellerai demain. Mais en fait, si quand même si on écoute son cœur, hein, la Bible et le cœur disent la même chose. Je vois bien que là c'est en décrochant que je vais aimer. Vous voyez, dans les tout petits gestes simples du quotidien comme ça, je crois que on peut faire l'apprentissage de l'amour. Alors une dernière question puisqu'il est bientôt 15 heures. Oui, bonsoir. Bonjour. Je voulais en fait aussi, je me demandais jusqu'à quel point l'amour pouvait toucher les personnes au-delà de la personne du Christ, c'est-à-dire comment l'Esprit-Saint peut se manifester aussi à d'autres personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes. Et donc je voulais savoir, je me demandais en fait de quelle manière on pouvait inciter des personnes à faire la volonté de Dieu, enfin comment faire la volonté de Dieu
en n'étant pas forcément dans une croyance chrétienne, quoi. Enfin, comment pouvaient se manifester ces fruits, quoi. Alors, oui, bien sûr. Alors déjà, il faut bien savoir que Dieu étant tout puissant, il n'est pas limité aux gens qui vont à la messe le dimanche et qui reçoivent les sacrements. Hein. Dieu, il passe comme il veut, il peut frapper qui il veut, il convertit des païens ou des musulmans dans leur sommeil en se révélant à eux. Enfin, on entend parfois des histoires incroyables. Donc, il ne faut pas d'abord se sentir, nous, des convertisseurs, c'est Dieu qui convertit. Et comment il veut convertir à travers nous? Ben, je pense que c'est par l'amour, hein. Je vais revenir à cette phrase, hein. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. C'est pas par des discours, c'est en se sentant aimé. Vous voyez la petite Bernadette qui disait de la Vierge Marie, elle m'a regardé comme une personne, en fait ça veut dire elle m'a aimé, j'ai senti un regard d'amour dans les yeux de la Vierge. C'est l'amour qui attire à Dieu. Et le pape François, il avait une formule assez forte, je trouve, et assez drôle aussi, qu'il avait prise à Saint François d'Assise d'ailleurs, et qu'il avait dit en 2013, quelques semaines après son élection. Il avait dit « Allez convertir par toute la terre, allez proclamer l'évangile, et si besoin, par des paroles. » C'est fort, hein, cette phrase. C'est-à-dire que c'est en aimant les autres, en leur faisant du bien, en étant bon et patient avec eux, qu'ils pourront nous reconnaître comme chrétiens. Pour les personnes qui voudraient revoir Monsieur de Saint-Chéron, vous avez rendez-vous avec lui à la librairie de la Grotte. Si vous bougez maintenant, laissons les personnes en fauteuil passer de façon le plus confortable possible et les personnes valides, vous pouvez attendre 2 minutes. Voilà, il y a une conférence à 15h15 ici, et puis sinon, vous avez vu un peu comment fonctionne le programme, et vous pouvez vous dispatcher dans les autres lieux. Merci pour votre attention et bon après-midi encore. Au revoir.